Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 17 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, la petite pensée positive pour ce 17 septembre, zappé. Tout le monde a échoué au moins une fois dans sa vie. La différence, c'est que certains n'en font pas tout un plat. Est-ce que ça vous parle? Très juste, n'est-ce pas? On échoue dans notre vie, dans nos chemins de vie, et on passe, ce sont des expériences qui peuvent être négatives, et là, bon, si on échoue, on ne va pas jouer petit calimero, on ne va pas faire tout un plat. Au contraire, ça doit nous servir de leçon. Belle pensée pour ce matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé l'ombre. Conflit. Alors, l'ombre, la lumière. Ah, l'ombre. Eh bien, l'ombre représente les aspects, les désirs refoulés de notre être, n'est-ce pas ? Car nous avons toutes et tous une partie d'ombre et une partie de lumière. Elle est la dualité inhérente à notre nature humaine, n'est-ce pas ? Mettant ainsi en évidence, eh bien, nos contradictions. L'ombre, elle incarne le mystère, suscitant la curiosité et l'intérêt pour, eh bien, l'exploration des profondeurs de notre être, n'est-ce pas ? L'ombre, ça représente, c'est une dualité, il y a un mystère, il y a un conflit. Alors l'ombre, on nous montre l'ombre, eh bien, il faut libérer cette ombre. Donc il y a une libération à faire, c'est-à-dire mettre en lumière cette partie sombre que nous avons en nous. L'ombre indique une confrontation nécessaire à venir. Et cela peut se passer, eh bien, avec d'autres personnes ou encore être un conflit entre vos désirs, entre, eh bien, vos valeurs et vos croyances. L'ombre, elle souligne l'importance de l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, rappelant ainsi que l'intégrité et l'harmonie intérieure nécessite l'acceptation de l'embrasement de toutes les facettes de notre être. Avez-vous posé votre question? Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, je vous laisse quelques secondes pour la poser. Ok. La réponse à votre question, c'est non. Pourquoi ? Parce que le moment n'est pas propice et des actions doivent être prises pour atteindre, eh bien, le résultat souhaité. Donc, patientez et mettez en action certaines choses dans ce désir que vous avez. La petite guidance. Reconnaissez que la lumière et l'ombre coexistent en vous et dans le monde qui vous entoure. Il ne peut être autrement, n'est-ce pas ? Nous avons tous une partie d'ombre et une partie de lumière. Trouvez, eh bien, cet équilibre entre les deux et apprenez à intégrer les polarités pour une croissance personnelle et spirituelle. Alors pourquoi pas de vous débarrasser des jugements et des étiquettes de bien ou de mal. Et autorisez-vous à vous libérer des schémas restrictifs et des comportements qui ne vous servent plus. Très beau message, n'est-ce pas ?
très beau, très belle guidance aujourd'hui, je trouve, avec cette ombre, et bien souvent, ça génère un conflit quand on a cette partie d'ombre en nous, et notre travail, c'est vraiment mettre cette partie sombre, et bien en lumière, hein, pour qu'elle puisse voir cette lumière, et que ça ne devienne plus un conflit. Et c'est comme ça que nous pourrons avancer sur notre chemin, n'est-ce pas? Je termine avec le petit message des anges gardiens. Culpabilité, j'ai pigé aujourd'hui. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. C'est bien vrai, hein? Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses ainsi toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Arrête de te culpabiliser. C'est un message très fort, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve bien évidemment demain pour un nouveau message, une nouvelle guidance. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.